occupé avec Lionel Lazar. Lionel Lazar et Gary Jean-Baptiste, donc Sinapoa et SPNH 17 de syndicat dans la police nationale d'Haïti. Lazar, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Johnny, bonjour tout auditeur, auditrice, radio, Télé-Caraïbes, Cap-Côté, non en pays ou bien à l'étranger. Je salue tout policier en général, je salue le haut commandement de la police nationale d'Haïti, je salue tout membre Sinapoa à travers pays. Je salue tout le monde qui est là, qui est à côté, tous les amis en fait, qui attendent l'émission Grand Boulevard. Et son plaisir que vous m'ensemble avec nous matin. Hein? Et je salue grand frère Gary Jean-Baptiste de SPNH 17. Et il n'y a pas jamais trop temps que pour nous dire. Nous disons bonne fête à directeur général de la police qui t'a fêté hier. Monsieur, merci beaucoup. Je pense que c'est un plaisir pour moi. Hein? Ensemble avec nous matin. D'accord. Et Gary Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Johnny, bonjour toutes et technicien à Radio Caraïbes et bonjour directeur à Radio Caraïbes. Nous saluons tous les policiers, quel que soit rang, quel que soit grade. Nous saluons Lazar, nous amis. Nous sommes contents matin, nous allons parler sur la situation qui est très alarmante. Oui, très bien. On va commencer avec Lazar. Qui ça et commentaire par Oye, qui ça bilan par Sinapoa Oye par rapport à deux ans de GPNH là, sous pouvoir. Comme directeur général. Bon, je pense que quelle que soit façon, même là que mon an te fait un mois, elle te fait deux mois, a toujours gagné un bilan quand même. Nous t'attendons analyse Johnny Ferdinand matin. Par rapport avec le bilan directeur général de la police là, deux ans en tête institution. Nous avons toujours dit, nous tous connaissons que dans quel contexte que M. LBT prend tête la police là. Ce n'est pas une raison pour ne pas avoir un résultat. Alors nous pas basé sur ça, parce que quelle que soit façon en bon genre que vous apprenez institution, c'est vous-même qui pouvez regarder comment vous pouvez gérer l'institution. Parce que quel que soit le monde qui a pris un poste dans le pays actuellement, là, il connaît, boit plus mal géré à qui problème que le gagne, il connaît, il doit connaître qui ça va le faire pour lui résoudre le problème qui gagne là. Je dis à là, tout le monde qui a seul bagaille que, il y a la police là, on sait qui vient pour avec résoudre le problème de sécurité. C'est l'équipe cruciale, c'est l'équipe primordiale, parce que Matissan bloqué, tabac bloqué, paquet côté bloqué, Canaran, Mon Cabri, toute zone ça a bloqué, qui donc ça pi bon pour moun yo, et résultat que yo besoin c'est garder comment que zone ça capable libre pour moun passer gens que yo te kon passer déjà yo. Nous croyons que il y a deux aspects là-dedans. Ça que nous avons dit, un problème d'insécurité qui jusqu'à présent était un plus beau défi pour le directeur général de la police. C'est ça qui fait me dit tout, dans un bilan, on a toujours des côtés qui sont négatifs, des côtés tout qui sont positifs. Mais quand on est là, nous allons regarder positivité ou bien négativité, à qui côté lié plus par rapport avec ça qui est là, je ne veux dire là. Population a vu une situation qui est extrêmement difficile par rapport avec une série de côtés que n'est pas capable d'aller. Même nous-mêmes pour nous aller pour nous en dans l'institution en tout, parce que pas qu'à abjurer une institution ou seulement aspect sécurité a les gains toute importance li, mais traitement moun ki la yo qui pour et qui pour bas résultat pour résoudre problème de sécurité là faut au moins ouvrir tout dans ça qui vient pour encadrement policier matériel que y a besoin question primordiale question logement pour yo tout bagage ça y a reposé tout sous dos on dit général la police m'a retourné pour me dire que en septembre 2019, M. Nomi Rameau prend tête direction générale de la police.
ma même quoi j'ai fait un an en novembre 2020 nous parlons pas ça encore monsieur Léon Chalvini comme directeur général de la police en octobre 2021 monsieur LB jusqu'à date prend tête la police en garde pour nous dans l'espace 3 ans nous passer 3 directeurs général dans tête la police là. Qui doute au monde qui a gagné sous monsieur Normin Rameau que tout le monde connaît l'entité de CPJ que monsieur son mec qui capable le résultat mais l'arrivée que peut-être c'est une bagaille que bon ici en pile autorité pas gagné c'est que c'est gardé pour ou un côté des difficultés et puis tout dit bon moi tirer comme et même système encore même équipe monde qui était mettel comme directeur général de la police manger le final avec parce que il t'a travail pour question bien-être policier il t'a garder qui ça t'est capable de faire pour garder tes gagne meilleur à conditions de travail pour policier bon, monsieur Léon Chalvini encore il a frappé bandi a prend commissariat brûlé qui donc tout une estimer que il pas capable de mettre monsieur LB comme directeur général de la police. Et rapport Nations Unies, moi-même, mal et plus loin, qu'elle soit agence AIA, il faut qu'on moun l'a vini là, il faut qu'on baille résultat. Résultat que moun l'a besoin, il n'y a pas pour une question administrative comme si ça va réglé pour policiers, pour personnel administratif, mais il y a plus souhait de Yoa, il y a plus souhait de question insécurité qui supposé résoudre. Nous avons tant de Johnny qui t'a parlé de la aux Nations Unies, experts des Nations Unies. Qui cite des noms, c'est des gens qui étaient dans le plus haut niveau de l'État, qui armé gang, qui baille mon armes, qui baille mon munitions, qui baille l'argent. C'est comme si, ou bon petit, la caille, trop moun la caille ou encore, a soulevé petit par contre. C'est comme si nous étions dans l'État, il y a des propres personnes encore dans l'État qui étaient dans le plus haut niveau de l'État, qui mettaient le pays dans sa lèvre, qui mettaient les âmes dans le conseil de monde, si nous comprenons le rapport expert Nations Unies, qui mettaient des gens en face de la police, soit pour gérer le pouvoir, soit pour gérer l'équipe, et bien qui vient de nous, ça vient de nous là. Nous ne sommes pas déjà capables de la police qui est efficace sans que par une volonté politique. Qui manifestent beaucoup de autorité, sans que yo pas bay priorité avec la police nationale d'Haïti. Gardez qui institution que yo bay priorité, c'est travaux publics par rapport à ça là. Bon, tout route nous fin kaz an dan peyi a, est-ce que travaux publics pas résoudre problème route qui gagne an dan peyi a? Moi c'est que yo ta supposé bay sécurité a. Priorité, garder conditions de travail pour les policiers. Et nous avons un paquet de policiers qui a déplacé, qui a quitté le pays parce que les bagailles n'ont pas bon. Est-ce que vous avez un plan pour remédier avec ça? Est-ce que vous avez un plan qui dit bon, attention, trois policiers qui quittent le pays, nous supposons garder, nous cabinons avec un plan pour encourager les policiers qui étaient pour ne pas quitter le pays. Les policiers qui déplacent, cachoufeuille. Qui ça n'a fait pour yo? Qui plan gagné pour yo pour nous garder comment que yo capable soit retourner la caillou ou du moins accompagner policier yo. Je dis à la, c'est quoi fond mieux contre toi? En tout le monde a dit que yo pas satisfait de bilan deux ans directeur général la police a, par rapport avec ça gars là qui gros gang qui démantelé qui gros chef bandit que yo arrêté mais attention ça pas empêcher que la police a travaille même là que nous ka dit que bon série de gros chef gang qui pas arrêté mais la police là toujours à pied d'œuvre et nous on la police qui pas créer tout pour te venir faire face carré avec ça gars là pendant chaque grand policier qui est là, l'EOT Academy, dans l'école nationale de police, c'est des formations de base que vous avez mais vous n'avez pas de gens fait formation pour te dire bon, mais ça capte. Non. Les gens qui sont retournés dans l'unité spécialisée, vous avez une formation qui est appropriée avec le travail que vous pouvez gagner pour les faire là. Mais c'est normal, je vous dis à la,
nous considérer ça gain là comme une guérilla urbaine, la police a supposé prendre forme ça gain là Jean Monsieur Gagnon a frappé et puis tout pour capable faire travail pas là. Nous même au niveau Sinaloa, bon ensemble de bagages que nous pas satisfaits sur nous par rapport à les problèmes d'insécurité, mais tout personne monde tout même lors du problème avec on pas l'elle fait quelques bagages en dans institution capable de lui. D'accord Lazare, ou capable de lui. Oui oui, alors moi m'tap chercher sous ta gon mot pour qualifier deux ans directeur général là qui sale tapier. Bon, moi-même, si je n'ai pas un mot pour me qualifier deux ans directeur général de la police, je ne peux pas dire que le directeur général de la police n'est pas travail. Il n'est pas travail. Le directeur de la police a gagné pour lui son évaluation, pour lui garder qui côté lié, qui côté le vrai arriver par rapport avec ça que la journée jeudi à là. OK? Et malgré tout ça qui est là, la police a toujours travail. Si peut-être la police là, pas te mettre au pas, je vous dis à me garantir que ni moi ni vous, ni un paquet de l'autre monde, on sait de côté, nous ne sommes pas capables de vivre, même dans la radio, nous ne sommes pas capables de vivre par rapport avec ça, ça vient là. Nous reconnaissons que directeur général de la police, là, un paquet de travail que les supposés faits pour vivre sous population, exigence mondiale, ça que vous avez besoin. Yo. Mais attention, on syndicat dans l'institution, son syndicat qui l'a, pour le rendre que l'institution est plus fort. Slogan au niveau Sénaboa, Sénaboa pour une police forte. Nous supposons travailler pour nous permettre que nous avons la police qui est plus fort. Et l'aide de la police qui est plus fort, tout ça que nous avons demandé là comme revendication, il y a une automatique. Si nous avons bon, l'État qui t'a si nous avons gagné ensemble de monde, si nous avons bon, l'État qui t'a pris la responsabilité, je dis à la, nous n'avons pas besoin de syndicats en dans la police. Très bien. Ok, bon, 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 faut parler avec Gary Jean-Baptiste. Policier. Alors, Lionel? Oui, madame. Oui, oui, en bas, Gary, il faut parler. Et Gary Jean-Baptiste, ou même, ou là, en tant que membre et conseiller SPNH 17, là, comment nous-mêmes, dans le niveau syndicat, ça, nous, ouais, deux ans, France Albé, dans tête PNH, là? Gary, avant de commencer, et Nabé, salut, parce que depuis que nous avons parlé dans SPNH, bataille police. Bataille pour défendre la police, faut nous songer Gabi Jeffra. Faut nous songer Elder lundi tout, qui ont sacrifié parce qu'il est honnête, parce qu'il est critique. Et, guerrier, maintenant, on pense que tout le monde qui a visé connaît, ne peut pas parler de bilan, ou regarder est-ce qu'il est positif, est-ce qu'il est négatif, ou faire ensemble de considérations, ou montrer les. Catastrophique ou pas. Li pa gen vraiment et yon bonne littérature sorti de cadre là. Et nous même dans SPNH, mais comment nous même nous comprendre? Et nous rend police là, nous rend commandement qui là et ça passé déjà. Nous rend Haïti en pile service dans 10 avant même que ces bagages arrivent, on commence à retard de fête. Nous t'ai toujours dit dans SPNH, sécurité pas improvisée. Sécurité un pays, un département, une commune, il fait en vertu de plan. Et nous t'ai toujours dit, la police là, elle doit évoluer avec la société. Si je dis à commandant LB avec équipe li, gen deux ans dans tête la police là. Pendant deux ans, gen pile formation t'es capable bail. Pendant deux ans, gen en pile travail qui t'es fait. Mais nous même dans SPNH, mais considérons nous. Là nous considérer quantité en vingtaine postes sous commissariat antenne qui est brûlé. Et en plus de ça, il y a des policiers qui sont victimes, qui disparaissent.
gen matériel la police qui joue journée jodi a nan men groupe armé yo. Là nous considérer quantité par rapport à la situation étayée quand nous gen plus territoire perdu pour me répéter ministre de la justice et madame Emily Poufette. Là nous considérer nous gen plus policiers plusieurs centaines qui de la police là parce que yo senti yo pas en sécurité, yo senti la vie yo menacée parce que yo wè lorsque policier pareil yo victime ou bien disparaître dans dans commissariat yo pas fait rien pour yo, yo wè gen commissariat qui brûlé. Yo wè gen policier qui mouri, n'ap songe policier qui mouri la boule tan kou trois chien. Policier métivier qui mouri ça disparaît. Ça qui passé dans la Tibonite. Si n'ta vle citer ça seulement. Pa gen rien, non seulement pa gen rien qui fait pour mémoire pour policier ça au moins une action posée pour l'honneur de la police ça. Mais est-ce que nous connaissons tout chef qui était dans position, soit dans commissariat, directeur départemental, ça a été fait des déclarations, ça a fait des rapports. Jujune Jodia, chef Sayo, libre, bien à l'aise dans la police, ça, pas même un rapport, nous-mêmes dans SPNH, nous gagnons sous Kassay. Là, nous considérons, quand c'était policier victime, dans la bataille contre gang qui pas même qu'a un soin qui a souffri, nous fait un pile de marches pour plusieurs si n'a cité matin Benito Jean-Louis un jeune garçon qui tenant un commissariat dans ville dans région métropolitaine là dans Goumen contre gang. Li pon bal cheville li. N'a souffri depuis 24 mois. Li pa ka yon soin Haïti. Ki a commencé gangrener fragment bal yo. Benito jodi a la presque infime. Li fait en pile démarche famille li. Li prend deux points dans la police. Li prend une dans BNC, li prend une dans ONA. Li prépare pour la faire opération. Li mande l'état bal $4,000 américains, $250,000. Là nous considérer quantité frustration qui gagne dans la police là par rapport avec grade qu'a bail en 21 voilà sans respecter aucun principe. N'a songé matin pour policier 15e avec 16e promotion qui parle avec nous qui dit nous yo même yo c'est 15e 16e promotion qui 19 ans dans la police là yo agent 4 il faut. Pendant ce temps, nous avons des frères qui sont dans 17e promotion. C'est vrai, ils ont des droits pour être inspecteur. Mais ils ne sont pas capables d'inspecter avant 15e avec 16e. Puis fort, 17e promotion, sous qui base nous ne connaissons pas, ils prennent grade. Là, nous considérons ensemble de frustrations, ensemble de raisons qui fait police là, je dis. Même si on est traité, il y a des policiers qui sont dans le pays là. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas engagé encore. Après l'immigration dans la zone, dans le commissariat. Et nous dit pour la vérité, pour l'histoire. Dans une série de zones, je dis, si vous existez toujours, si vous avez des gens qui ont fonctionné là-dedans, c'est grâce à la résistance en pile vaillant policier. Parler de prime de risque, eh bien, nous dit nous, laissez nous considérer plein qui gagnent des idiots. Qui parle avec nous. Dans le moment où on a parlé là avec nous, qui a plein, il n'y a pas une prime de risque à temps. Là, nous considérons aujourd'hui, par rapport à la situation pays, aujourd'hui, nous devons gagner tout policier qui met un uniforme sur lequel font travail quelconque. Il risque, il est supposé qu'il y a une prime de risque. Guerrier, est-ce qu'on connaît
je dis à la police pas gain pas gain assurance santé. Est-ce que vous connaissez pas de ben ameuse? Si pas de ben ameuse. Bah la tape qui grand pour nous. Est-ce que vous connaissez au Fatma je dis à une série de l'hôpital qui était dans relation dans contrat ensemble avec toujours comme prestataire de service et 25% 20% yo Fatma paye. Est-ce qu'on connaît que la majorité dans l'enquête nous menons, la majorité de l'hôpital avec la clinique qui est qui contrat avec Fatma? Je dis à, je dis qu'il y a 2 ans, 3 ans, il n'y a pas touché. Il y a un pile là-dedans qui quitte. Nous avons une liste qui pas dans relation avec, qui pas dans l'assurance l'État encore. Les policiers, je dis à, pendant qu'on prend des propres risques, pendant qu'on n'a pas de matériel de protection, mais je dis à, les policiers, les victimes, ils n'ont pas de soins, ils n'ont pas de santé. L'elle besoin pour apprendre à l'étranger, s'il pas monétaire, il pas besoin de soins, il pas besoin de cale là pas considérer. Eh bien, nous-mêmes dans SPNH, là nous faisons toute considération ça yo. Quel que soit moun qui était DG, même s'il était sorti en dans SPNH, par rapport avec toute évidence ça yo. Nous avons toujours dit ça, puis bon chef. Si on n'est pas capable, comme nous demandons ça déjà, renforcer ça là pour éviter le pire. Si problème de communication demandé dans SPNH pour résoudre, problème de communication, comment imaginez la police à travailler sans communication? Comment imaginez ou bien plusieurs centaines, environ 500 policiers dans le DCPR? Je suis dans la rue, même si je suis dans la rue, sans communication, sans protection, sans prime de risque. Est-ce que nous connaissons aujourd'hui, si tu as une volonté pour adresser des problèmes de sécurité, aujourd'hui, il y a une entité dans la police qui est en train de se renforcer. Pour le délire dans la rue, matin, midi, soir, c'est sécurité routière. Parce que contrôle routier, véhicule, c'est des bagages qui sont plus importants. Dans n'importe quel pays que d'aller, en plus nous voyager, tout le monde est capable de là, il est capable de mentir. Est-ce que nous n'avons pas de SWAT, nous n'avons pas une série d'identités dans la police, nous n'avons pas capable de police routière, quel que soit l'allié. Parce que la route là, elle doit contrôler. Non seulement il y a des policiers qui sont dans la route, mais il y a des technologies utilisées pour permettre que vous contrôlez la route. Est-ce que je dis à les policiers ne continuer et à faire uniforme et boss Pierre Bojac pour faire uniforme monsieur surtout uniforme crème bleu? Est-ce que je dis à chaque policier qu'on kit matériel? Est-ce que je dis à policier qui mourir yo famille yo une satisfaction? Nous connaissons c'est SPNH qui chaque année n'a cléonné pour nous dire pas oublier petit policier qui mourir yo mes amis. Je dis à me penser que l'important pour que nous passions l'intérêt national, l'intérêt collectif là, avant l'intérêt mesquin, l'intérêt personnel. Parce que, écoutez, de Caraïbes, je dis à me parler de problèmes graves dans la police. Là. Vous connaissez un sujet, je ne vais toujours éviter de parler. Parce que je suis une adresse qui est victime. Okay. Mais je connais pour qui ça parle, parce que moi, côté ma travail. Sorti sous frontière côté inspection générale, dès qu'on a félicité arrivé dans la circulation, c'est pas parce que je n'ai pas regardé, mais parce que ma paye de police là. C'est parce que je parlais la vérité, c'est parce que toute la journée, et un chef dans la police là qui a témoigné ça. Il est Étienne Maurès, directeur personnel là. Il a témoigné combien de dossiers SPNH voyez Bali qui pas traité dans la presse pour résoudre le problème de police là. Pas plus tard que hier. Nous étions dans Delma 75. Non, tel 75 ans avec policiers, responsable a dit nous comme une situation lamentable. Un green véhicule qui est en panne, il va arranger policiers ont un seul fusil dans 75, mes amis. C'est SPNH qui fait des marches. En pile clé, on a pile appel au Fonds National qui a un pick-up campagne chaque jour pour avoir une machine neuve pendant la machine là. Je dis à des salles à parler. SPNH, pas rien langue de bois dans ça. SPNH, quel que soit mon nom. D'ailleurs, relation nous gagnons, relation de travail nous gagnons pour institution chaque jour, ensemble au commandement,
ni commandant LB, ni directeur personnel là, ni l'autre chef qui est au commandement, je connais que souci pas nous, la SPNH, c'est une institution efficace. D'accord. Bilan, il est catastrophique parce que nous avons plus de territoire perdu, plus commissariat qui perdu, plus policiers qui perdu, plus policiers couru parti, plus situation, plus monde qui mourit, plus femmes qui violent. C'est vrai, nous attendons Johnny, considération à faire. Eh bien, nous d'accord, Johnny, volonté politique important. C'est important pour que y ait volonté politique parce que nous-mêmes, deuxième promotion, nous étions dans l'opération Bagdad. Nous connaissons ça, ça veut dire, lorsque toute autorité font synergie pour résoudre des problèmes de sécurité. Mais, et le commandement qu'il a, commandant LB, qui reconnaît mon cap parler à bien, commandant Yann, ancien commandant de circulation, qui connaît bien, policier honnête, sérieux, qui prend décision pour faire syndicat dans le pays, pour aider la police, là, connaît que nous ne pas régler rien de personnel. Mission nous, c'est défendre. Intérêt policier, c'est défendre l'institution PNH là. D'accord. Et quel que soit le monde qui était DG, qui était dans le commandement aujourd'hui, nous avons dit bilan catastrophique. D'accord. Gary Jean-Baptiste pour SPNH, c'était même question qui était adressée à nous. Alors, une précision que nous avons responsable au niveau PNH porté pour nous. Nous dit concernant policiers et Pétionville, dont on a parlé, il dit administration n'a pas gagné 9 mois pour yon dans cité Sayos, ni BI, ni policiers qui bataille zone Dieg. Nous avons un retard seulement pour dernier trimestre, là, mais un peu là-dedans, on a commencé à recevoir Premio, c'est ça responsable de faire qu'on est. Et concernant l'emploi civil, toute disposition déjà prend pour yon payer yon pita dans le mois novembre, cap venir là. Lazare, Lionel avec Gary Jean-Baptiste, puisque l'a avancé sous nom, on vient de nous, qui sa perspective yo t'a doué yé, puisque deux ans li passé, et donc nous pas connaît pour combien de temps des géants là, parce que c'est AI, hein, donc mandat pas déterminé, et donc qui sa perspective yo t'a doué yé. Mandat des géants normal, oui, c'est trois ans. Ans. Oui, trois ans. Troisième année a commencé depuis dimanche. Oui. Bon, moi-même, moi, c'est un des collègues Gary avec un pile d'attention. Nous-mêmes, au niveau Sénapoa, bon, c'est que c'est deux syndicats qui sont dans la police, ça, c'est vrai, mais nous, chaque bon façon, nous travaillons. Nous n'avons pas senti pas professionnel assez, peut-être qu'il y a des bagailles que. C'est sur la radio que nous parlons de deux institutions. Nous n'avons pas parlé de un côté. Bon, c'est le côté qui est vraiment sensible. Nous n'avons pas parlé de un commissariat qui va gagner des armes. C'est sur la radio que nous avons dit ça. Et donc, un plus professionnel, ça n'a fait. Parce que la, ça n'a pas fait. Ça n'a pas affaibli l'institution. Nous connaissons que l'institution n'a pas de problème. Si c'est pour problème, charge, problème en deux institutions. Mais nous sommes fait on visite là, non pas dans le Grand Sud, dans l'Ouest, dans NIP. Si nous avons déjà préparé un rapport pour nous remettre à la direction générale de la police, à service logistique, direction logistique dans la police, à direction personnelle dans la police, pour regarder le niveau par eux. Nous connaissons que bon paquet de problèmes qui existent en dedans et la police là. Est-ce que je vous dis à là, Jean que ton étape dit le matin là, est-ce que pas de volonté politique? Est-ce que c'est pas l'État qui doit mettre l'argent sous budget la police là pour résoudre un ensemble de problèmes qui gagnent? L'autre rapport XP Nations Unies qui reconnaît que budget la police là insuffisant pour résoudre ensemble de problèmes qui gagnent là, comment que nous pourrons demander que pour nous avoir la police qui est efficace, ça c'est un. Comment que nous pourrons demander que pour les policiers nous ont senti qu'il y a travail en dans une institution. Il faut que l'État assume les responsabilités. Il faut que l'État connaît que y a la police là, qui c'est la seule force qu'il a pour résoudre ça qui est là. Il faut qu'il accompagne la police là. Il faut qu'on mette l'argent
sous budget la police là pour être capable et bagay. Pour question Ariel Le Grade, moi-même, ça, nous connaissons au niveau de Sénabois, c'est que bon pas quel travail qu'a fait là pour garder moi qui viens là plus tard que moi novembre pour au moins garder ce que t'es capable de payer ou ensemble de unités. Alors, c'est ensemble de policiers qui prend grade depuis 3 ans, depuis 4 ans, qui pour aujourd'hui capable de toucher Ariel Le Grade. Nous, côté que yo a travail sur ça pour police 32e promotion yo n'en fait moi ça supposé toucher arriéré yo c'est ça nous gagner et comme information pour question assurance l'état haïtien signe un contrat avec Ben Ameuse nous connaît pour question urgence seulement l'on police victime les urgence mais qu'on a là faut nous aller plus loin pour nous dire que bon, quelque chose bien prend sous chaque mois, ministère économique et finance à prend sous chaque mois, faut nous connaître qui ça comme ça au fait. Faut nous connaître est-ce que au Fatma n'est pas bail ça yo, mais là faut recommandement la police à tout pencher sous question assurance police yo. Faut recommandement la police là convaincre un paquet commissaire qui dans des situations difficiles, faut nous voler au secours avec Jean-Baptiste. Je ne vais pas collègues là aller trop loin pour pas parce que une réaction sur surtout et intervention et sur Plaza. Oui, Lazare, va me permettre faire réaction. N'a pas dire pour la vérité pour l'histoire. Nous gagnons plusieurs dizaines de dossiers qui traitaient avec au commandement de la police là, sans la presse. Dossier Benito Jean-Louis, par exemple, s'il prend la presse, c'est parce que le policier a souffri 2 ans après. Ou un cas où il y a un commandant Laza. Comme je dis, ou carré, tout chef, je ne sais pas si DG a gagné, parce que je ne sais pas si le numéro est le Bali, si depuis. Moi-même, pas fait travail. Syndicat, lui-même, à travers Gary Jean-Baptiste, pas fait travail par là. Côté nous, acheminer dossier sur chaque commissariat, chaque problème qui existait. Lorsque une série de problèmes sont posés à l'interne, si vous voulez prendre la rue, vous devez assumer, vous devez anticiper. C'est ça que les responsabilités doivent diriger. OK, nous pas parler dans dossier dans la presse, un dossier à retard joindre et nous dit mais qui besoin tel côté mais qui besoin rien. OK Laza. OK. Mais OK, nous chaque gain là 3 minutes pour nous conclure parce que faut nous finir à 8h. Laza, 3 minutes pour nous conclure. Bon, nous croyons que par rapport avec ça gain la journée aujourd'hui là, directeur général de la police là avec toute équipe là il y a un gros défi devant eux pour yo résoudre là, il y a un problème devant là pour résoudre surtout dans cas qui vient pour avec phénomène gang qui prend territoire en dans pays. Quel que soit agence ça, moi m'a toujours dit non on bagaille a toujours gagne un bilan. Nous reconnaissons ensemble de bagages qui fait dans ça qui vient pour avec la police et font série de bagages, augmentation de prime. Actuellement là, il y a travail. Moi, je connais que la direction générale travaille. Parce que Sénapo est écrit. Je dis tout le monde que Sénapo a été écrit le 14 septembre qui s'est passé là, directeur général de la police, pour ne te faire pas de problèmes policiers qui déplacent. Nous te répondons positivement par rapport avec demande que nous te fait là actuellement là tout commissariat yo DBO yo a recevoir doléances policières et puis tout soumettre rapport selon information que DG la police là qui partage ensemble avec moi c'est que gagner ces rapports il y a tant de programmes qui s'accaffent donc pour montrer que nous même au niveau de rapport nous là pour nous accompagner policiers yo n'a c'est ça nous toujours dit que l'argent dans le budget pour ça pour résoudre le problème policier au gain et nous croyons que l'important avant que nous finissions pour nous souhaiter une bonne fête avec le corps des instructeurs nous connaissons que qui c'est base la police là dans le sens que c'est eux mêmes qui a formé policiers c'est eux mêmes qui a formé des cadres dans l'institution hein. Nous souhaitons une bonne fête et nous vraiment souhaiter tout bon coup de jeu bon jeu qui braque sous
corps des instructeurs dans la police là pour pas de qui meilleur encadrement que yo capable bailler. D'accord. Nous que l'important tout je dis à là pour direction générale de la police là comprendre nécessité pour yo aider commissariat qui en pour en province. Nous gain pour nous soumettre au rapport commissariat Emapo qui pas gain véhicule commissariat en Sapi. D'autres grands causes, on pas qu'un autre côté dans le pays, à Akin, Cavaillon, tout ça, fondait, on pas qu'un côté que nous visiter qui donc nous joignent problème. D'accord. D'accord. Qui donc, quoi que nous estimer que Guédébaï qui fait directeur général de la police là, à toute équipe, que tout policier, nous conscients que bon paquet de problèmes en d'un pays. Nous-mêmes, l'être que nous t'ai parlé de, nous satisfait un peu de l'ensemble de bagailles qui fait, mais nous t'ai plus pris aspect question aider policiers, mais nous croyons que commandement la police qui a, dans pile travail pour faire, mais volonté politique, il faut vraiment. Au budget la police, il faut le gouvernement montrer que résout le problème. D'accord, Lazare. Voilà, mais merci un peu, Lionel Lazare. Deux minutes, trois minutes pour conclure, Gary Jean-Baptiste. SPN Chab dit pas gain général sans soldat. Les nouvelles institutions, chaque jour, quantité de policiers partent parce qu'ils n'ont pas senti en sécurité, ils n'ont pas en confiance, ils sont frustrés. Pas gagné moyen pour protéger la tête et les victimes parmi eux abandonnés petits policiers qui mourent n'a pas pensé avec eux lorsque la police a fonctionné sans un système de communication efficace lorsque on gagne un policier qui je dis à m'oublie pour la sécurité ou pas en sécurité et pas gain une dynamique de protection et policiers ça parce que majorité policiers qui victimes même qui victimes qui prend cartouche pas gain soin ça yo qui dans la rue qui rete à bon parmi un bourgeois dans une base de fait quartier ça veut dire que yo rete dans base zanet ça yo pas prend en compte malgré en pile appel que nous même dans STNH chauffeur. Nous tapons méchants en pile. Si je dis à nous tapons trahi les policiers, si je dis à SPNH Tavini, parce que le commandant LB Tazamim, ou bien le commandant Etienne Tazamim, ou bien le Frem, ou bien Zamim dans la police, pour me dire bravo, pour me dire qu'il y a un bilan positif. Et SPNH a toujours été. Bon côté policier, on a défendu les droits, les petits policiers qui mourent, on a défendu l'institution. Songez, nous t'ai toujours dit, porte uniforme avec matériel roulant, ils ont changé le logo qui est sur eux. Uniforme, on a supposé, je dis, à changer parce que. Ou bien modifié parce que je dis à nous un pile d'uniformes qui dans la rue à cause du commissariat qui est incendié. Quel que soit le monde qui vient dans la police, je dis à s'il pas mettre policier en confiance, s'il pas résoudre le problème et frustration, si cohésion pas faite, si formation pas faite pour permettre policier de faire face à des défis, n'a pas levé matin, conseiller de commissariat, il y a commissariat seulement pour la prendre dans le commissariat. Nous disons déjà, je dis à situation alarmante, il y a une quantité de policiers hier, quand on a parlé avec une responsable d'un commandement, pour me dire, un pile policier sous ligne à attendre pour partir. Parce que pas un rien qui fait pour arrêter, pas aucune condition, parce que la situation est difficile, policiers je dis à vivre dans le chien. On a demandé l'État. N'a demandé et recommandement qu'il a toujours, parce que c'est lui-même qui joue le jour d'hier, qui a une responsabilité. Policier Benito Jean-Louis, les papes handicapés, les papes mourir sans les pages de soins. Et Deli, parce que son jeune garçon, il prend deux points, il y a 2000 gouttes seulement qui étaient sous check-li, il a planifié pour la faire opération, bas support de 250 000 personnes. Qui évalue à environ 4 000 dollars américains qui a sauvé la ville. D'accord. C'est ça qui est job responsable.
Là, nous-mêmes dans SPNH, nous portons dossier au balai, nous rendons service, nous travaillons ensemble avec eux. Je suppose que ouais, nous, un collaborateur, mais ce n'est pas nous qui sommes venus pour nous venir dire tout le a bien marché pendant ces séparé. Nous remercions Radio Caraïbes, nous saluons tous les policiers. Nous saluons. Allô? Allô? Oui, problème communication. Oui, Gary. D'accord, mais merci un peu, Gary. Mais bon, moi, le message ça pour rapidement avant de monter drapeau à gagner aux amis qui sont là, je ne connais pas si c'est policier. Lui-même, il dit que le policier Reginald qui a souffri après un inspecteur police était tiré dans Hans Deno, alors que le policier Reginald était en uniforme. Il est cantonné Hans Deno, l'inspecteur était en civil, il n'est pas cantonné Hans Deno. Aïe, aïe, aïe. Il n'est pas cantonné en Sdeno. Syndicat, par exemple, parlé sous cas jeune policier, ça, à qui ont fait un pied, l'a souffri, il a besoin à l'opérer. Donc, les messages pour que nous capables, c'est de pas informer et à regarder ce qui situation.